Frèm sèm, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 10 avril pour nous capable ensemble étudier leçon école sabbat. Avant nous commencer, nous invitons pour capable baisser tête tout pour nous capable prier. Éternel Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs, nous nous bénissons. Merci papa pour nouvelle journée ça quoi accorder nous. Alors que nous pour étudier parole, nous demandons pour capable imprégner nous de cet esprit. Qu'on ça va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait apprendre nous matin. Avec nous diriger nous ne pas digne, mais si nous prions au nom petit tout Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore frère Maxime. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 10 avril. Titre leçon c'est prendre soin de la communauté. Prends soin communauté. L'église chrétienne primitive là, était développée non seulement parce que membre yo t'a prêché l'évangile, mais tout parce que yo t'a vivre l'évangile. Eh bien, croyant yo t'a pratiqué ministère Christ-là qui s'est parcouru toute Galilée, enseigné dans synagogue yo, prêché bonne nouvelle royaume-là, guéri toute malade et toute infirmité parmi peuple-là. Selon Matthieu 4 verset 23. Jésus dit était sous ciel profondément de moun yo et l'église Nouveau Testament te fait même bagarre là. C'est un l'amour désintéressé et c'est un engagement pour répondre à besoin tout humain yo tout monde qui était dans communauté yo. Eh bien les yo combiné action ça yo avec partage bonne nouvelle l'évangile là, eh bien et puissance cet esprit qui est t'es absent avec yo te permettre que yo te gagne un impact sur monde là, un impact sur monde qui t'attendé yo pendant premier siècle l'église chrétienne là. Je m'en demande pour nous lire acte 2 verset 44 à 47, acte 3 verset 6 à 9, acte 6 verset 1 à 7. Il dit bien que circonstances yo varié, mais qui principe nous capable tirer de passage ça yo concernant le christianisme authentique. Rapidement, en nous lisant ensemble, acte 2, verset 44 à 47. Eh bien, acte 2, verset 44, en nous gardant qui ça dit. Il dit comme ça, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46, il était chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Eh bien, croyant Nouveau Testament, yo, je te suis modèle Christ, non? Même Jean-Pierre exprimait ça, et, côté que lui dit, loin du Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Eh bien, l'église de Christ, et, c'était collé sur la terre. Ok? L'église représentait le corps de Christ sur la terre. Eh bien, c'est consulté au cours des premiers siècles. Eh bien, nous voyons que l'église a été exprimé l'amour. L'amour sacrificiel Christ là, et préoccupation qui était gagné pour l'humanité blessée et brisée. Croyant ça, c'est des exemples vivants de compassion que Christ lui-même a gagné. Eh bien, dans un grand conflit qui a fait rage dans l'univers, eh bien, diable, lui voulait défigurer l'image de Dieu dans l'humanité. Mais objectif, l'évangile, c'est pour restaurer l'image de Dieu dans l'humanité. Eh bien, restauration ça, lui gagne la donne la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dans Jean 10, verset 10, Jésus révélait plein de gagnants pour chaque grain monde. Et c'est ça que fait, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, alléluia. Eh bien, il voulait que nous capables en bonne santé physique, mentale, et que nous capables mentalement éveillés, émotionnellement stables et spirituellement sains. Donc, l'évangile, c'est pas seulement
prêcher. L'évangile c'est pas seulement parler ensemble avec moun yo. L'évangile c'est pas seulement dire moun yo Jésus a retourné, mais nous voyons que Christ lui-même l'évangile que tu as prêché a, c'est ton évangile intégral. Ça veut dire il était soucié de bien-être moun yo. Il était soucié de qui Jean moun yo yé. Frère Maxime yo, et nous voyons exemple dans l'église primitive, yo t'a mangé ensemble, yo t'a vendre bien yo t'a metté ensemble, yo t'a cherché connait qui est ce monde qui a le besoin parmi yo, parce que frère Maxime yo, il pas fait sens pour n'a prêcher l'évangile alors que des frères nous qui pas capable, des monde qui dans difficulté, qui dans problème, nous pas fait cas de yo, seulement nous a prêcher l'évangile. Non, la prédication de l'évangile, li inclut la parole comme ça tout li inclut les actions. Yo dit nous, cela est particulièrement vrai à la lumière de son retour promis. Eh bien monde ça li confronté à une crise énorme. Prédication Jésus dans Matthieu 24 et Luc 21 annonçait des conditions catastrophiques sur la terre avant l'y venir. Frère Maxime, avant Jésus retourner, la terre pral chaotique, frère Maxime, bagay pral vin pizu. Eh bien, yo dit nous lorsque Christ a nous touchons par sa grâce curative, c'est-à-dire les bons dieux touchent nous, les Christ touchent nous, eh bien, nous aspirons pour nous toucher l'autre tout par son contact afin qu'il puisse être aussi guéri. Frère Maxime, ou pas bailler, ou pas recevoir pour qu'un bé pour mon recevoir pour capable bailler. Les bons dieux bénis ou c'est pour capable bénir frère. Bon Dieu a béni frère à travers ou même. De même tout. Bon Dieu béni ou peut-être c'est à travers un autre monde, c'est à travers un travail, c'est à travers et un don, mais ou même tout qui Jean ou même ou décider béni l'autre. Eh bien, il dit nous dans le son, Jésus nous envoie dans ce monde brisé en tant qu'ambassadeur pour toucher les autres avec son amour. Donc nous c'est des ambassadeurs qu'il a pour toucher l'autre avec l'amour. Eh bien, christianisme Nouveau Testament est caractérisé par l'amour des chrétiens les uns pour les autres et pour leur communauté. Eh bien, pour finir, je pose une question. Je dis, on point nous t'as supposé discuter. Je dis, quel est le rôle de l'Église dans la coopération avec Christ pour trouver la fausseté des accusations de Satan? Je ne veux dire pas l'Église mal. Je parle l'Église adventiste mal. En pile, je dis, son bon monde chichouillé. Je dis, nous parler mais partager. Mes frères Maxime, ça c'est des accusations que Satan mettait dans bouche moun yo, dans bouche l'autre dénomination yo. Alors, qui Jean ou même qui c'est membre l'église adventiste, qui Jean ou même qui c'est moun qui croit dans et les commandements de Dieu, qui Jean que ou même ou pral œuvrer ou pral travailler de manière à ce que menti ça li suspend propager, parce que c'est Satan même qui voulait yo pointer du doigt l'église là. Et bien pourtant des abdi ça est vrai moun sa yo c'est comme ça yo yo pas manger ensemble avec ou yo pas aider ou et bien depuis ouais y a parlé comme ça et bien c'est atteindre yo veut atteindre travail là mais frère Maxime yo ou même qui c'est chrétien adventiste en façon pour comme pour comporter faut ou attentif à besoin frère acteur parce que c'est comme ça qu'on capable prêcher l'évangile là tout bon frère Maxime yo. C'est comme ça nous présenter le son en matin nous inviter pour faire mes yeux pour nous prier. Éternel Dieu papa nous qui dans cela nous reconnaître que des fois nous manquons attentif à besoin frère nous action nous Seigneur. Papa, l'évangile là il doit prêcher mais l'évangile là il doit prêcher avec action. Seigneur Dieu, ba nous moyen possibilité retirer le moi la caille nous pour ça que ou ba nous bénédiction que ba nous li capable au service, li capable au service des autres. Avec nous diriger nous pas bonne pas digne mais si nous prions c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois frère Maxime, nous t'es content ensemble avec vous. C'était fort Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.